Salut tout le monde, c'est Kéros. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette construction, donc de l'Arc de Triomphe. Donc, on s'était arrêté ici. Ça fait bientôt quasiment 2 mois que le premier épisode était sorti. Je m'en excuse. Je suis pas très actif en ce moment, mais on va essayer de rattraper tout ça. On va essayer de rattraper le temps perdu. Et puis voilà, donc on va pas perdre plus de temps à expliquer le pourquoi du comment, et on essaiera de rattraper ce temps perdu. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc vous allez prendre de la stone ainsi que des demi-dalles de stone brick, des escaliers de stone brick et des blocs de stone brick. Voilà, tout simplement. Ensuite, tac. Donc c'est de la cobble je crois, hein. Ce que je viens de prendre, je vais juste regarder. Ok ouais, c'est pas pareil que la cobble, mais attention par rapport à votre pack de texture, ça risque d'être pas beau parce que je crois que ça c'est la pierre rouge là, à moins que je me trompe. Brique, ah non c'est brique tout court, ok donc j'ai rien dit. On peut y aller. Je vais juste tac. Ça ne veut pas se bloquer. Mais là, tant pis. Alors, on va prendre de la stone. Je vais juste la mettre à côté. Tac. Et donc, on va partir sur 4 blocs de haut ici. 4 blocs, ouais, on va déjà faire tout le tour en 4 blocs. À moins que. Non, attendez. Il manque quelque chose. Là, on doit mettre une deuxième hauteur. Donc là, on va mettre une deuxième hauteur dans ici, voilà, dans ce qu'on avait déjà fait. Donc on le fait pour les quatre piliers, bien entendu. Tac. Là, il y a des portes à mettre également. Je me souviens plus si je les avais mises, ces portes. Oh là là, il pleut. J'ai pas installé de mode pour enlever la pluie. Bon, tant pis, on va faire avec. C'est pas dérangeant en soi. Donc voilà, vous faites ça aux 4 piliers. Donc on remplit sur 2 de hauteur. Hop, on rajoute juste un cube. Et vous le faites vraiment à tous les piliers. Donc c'est ça qui est bien avec l'Arc de Triomphe. C'est que en fait, c'est symétrique. On va faire 4 fois tout le temps la même chose. Bon bah des fois c'est chiant mais au moins on ne peut pas se perdre et c'est ça qui fait que la construction peut aller assez rapidement étant donné que l'on fait tout le temps la même chose. Si vous êtes sur ordi vous pouvez copier-coller avec World Edit comme moi je le fais régulièrement. Mais là ça risque d'être un petit peu chiant pour coller. Tac. Au pire j'ai une idée, je sais ce qu'on va faire. Je vais faire tac comme ça. En fait, je suis en train de réfléchir comment je pourrais faire. Ouais, en fait, on va faire un truc. Tac. On va laisser ce pilier là. Et on va s'occuper que de ces deux-là. Je vais juste aller voir en quoi j'avais fait la porte. Ok, c'est des portes normales, hein, apparemment. Et libre à vous de mettre ce que vous voulez. Donc on va faire ici et ici et ici et ici, voilà, comme ça je ne fais plus rien là-bas, ça ira beaucoup plus vite et je fais uniquement ici, donc ça va être plutôt pas mal. Je pourrais même faire ouais, je pourrais presque faire. Ouais, bref. Allez, on s'en fout. On va y aller. Donc maintenant, on va prendre de la stone là et on va faire tout le tour. On va même faire que en escalier parce que je me souviens quand je l'avais fait, on pouvait. Ouais, trois de chaque côté. On pouvait pas faire les escaliers qui tournent. Donc c'est pour ça que j'avais mis des formes bizarres. Tac. Par contre. On va s'arrêter à 3 ici. Voilà. Ici, on se met un petit repère. Et hop, 3 blocs ici. Donc, du côté où il y a les portes. On prend la stone et on fait le tour, tout simplement.
On fait tout le tour. Donc vous oubliez hein, pourquoi je vous ai dit de prendre des blocs et des demi-dalles. Mais nous avons retrouvé nos petits escaliers. Tac. On va y arriver. Et on finit de faire le tour ici. Parfait. Juste regarder comment j'avais fait ici. Ok, ouais, ça coupait net. D'accord, ouais, c'était pas choquant. Bah, écoutez, on va essayer de laisser ça comme ça. Après, par contre, du coup, là, j'avais remis des pierres ici, dans les angles où l'on voit l'intérieur. Donc, en l'occurrence, il n'y en a qu'un. Enfin, deux. Hop. Ça, on finit là. Et après, je crois que quand on a passé ça, on n'est pas trop mal. Donc là, ça fait 2, 4, 6, 4. 2, 4, 6, 4. Donc, on part de là. 2. Donc là, 4. Pardon. Et puis pardon, je suis un petit peu malade. Et puis là, donc on en avait fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. On recule à nouveau. Et puis là, on finissait par 4. Si mes souvenirs sont bons. Très bien. C'est la nuit. On va prendre un lit. Et on va dormir. Parce que sinon, on va avoir la pluie jusqu'à demain. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Parfait. Donc maintenant, tac, on prend notre stone. Et on finit le tour que l'on avait commencé. Voilà. Et normalement, on doit obtenir ceci. Voilà. Donc c'est relativement simple pour le moment. Mais il faut quand même être attentif, ne pas décaler un bloc, sinon tout est fichu. Je voudrais juste guetter un petit truc. Ah ouais, là je m'étais amusé à mettre des détails partout, sauf que ça sert à rien du tout. Ça on en a déjà. Ça c'est quoi? Furnace. Ah ouais, c'est un four. C'est ça. Excusez-moi, je suis un peu malade. Du coup, on va prendre ça par contre. Ça, c'est de la croquette stone brick. Et puis, le reste, on a tout. Je sais pas ce qui me prend, elle était ennemie. C'est une vidéo un peu ennuyante, hein, je vous l'accorde. Je fais un petit peu de la merde. Donc je vous ai dit qu'on faisait que sur un pilier, hein, bien entendu. Mais après, vous allez devoir refaire sur chaque pilier pareil, hein, bien entendu. Putain, mais je suis pas bien. Hein. Pardon. Alors, tac. Ici, ah ouais, du coup, faut inverser, le poser depuis l'intérieur. Tac. Bon, là, on est pas mal. Et maintenant, on va avancer un petit peu plus vite. Ah ouais, là, je vais. Ok, donc là, au niveau de la porte, juste ici, tac, tac, c'était comme ceci. Et du coup, les portes étaient à l'intérieur. Du coup, je les ai pétées. Je vais y arriver, on va y arriver. Mais c'est peut-être pas le bon jour pour faire une vidéo, je pense. Tac.
Voilà. Et voilà. Voilà le rendu. Donc maintenant, nous allons continuer vers le haut. Au pire, je pense qu'on va mettre les détails à la fin. Parce que sinon, on va trop se faire chier et je connais très bien l'histoire, on va s'y perdre. Donc là, on va faire sur 4 de haut maintenant. Donc là, 4 de haut, vous allez faire 4 de haut partout. Voilà, là on a 1, 2, 3 et le quatrième qu'on avait posé au préalable. Et là, on va faire tout le tour en posant 3 blocs de plus. Voilà, comme ceci. Et tout le tour. Voilà, j'ai terminé, je me suis mouché, etc. On va essayer de continuer la vidéo dans de meilleures conditions qu'on l'a commencé. Maintenant qu'on a fait ce pilier qu'on l'a augmenté de 3 blocs, donc 4 blocs en tout, hein, bien entendu, ne vous trompez pas. Eh bien, on va refaire un petit tour de stone là, comme ceci, mais juste devant. Voilà, regardez comment ça fait. Vous le voyez comment j'avais fait ça. Très très simple, hein, bien entendu. Et puis ici, je remarque qu'il y a un décalage. Ah bah c'était le décalage qu'on avait fait tout à l'heure. Si vous avez bien suivi, vous voyez. Tac, c'est le même décalage. Mais je pense qu'on aurait peut-être pu mettre un dernier. Ouais, on va remettre une petite couche. N'hésitez pas à remettre une petite couche. Du coup, ça augmente à 5 le nombre de couches, donc 5 blocs. Tac. On va mettre une cinquième couche. Tout ça pour nous faciliter pour poser les escaliers à l'envers. Comme c'est déjà quelque chose qui est un petit peu chiant, surtout sur console, etc. Voilà, donc là vous voyez qu'on a mis 5 couches, mais on va inverser les escaliers comme ça. Tac. Et on en pose. Tac. On fait comme tout à l'heure. Hein, ils se rejoignent tous. Hop. Merci. Ici, ici. Tac. Parfait. Donc là, on obtient le même résultat que ce que j'avais fait au préalable. Et là-bas, on va s'arrêter jusqu'à où? Jusqu'au petit décrochement que l'on avait créé tout à l'heure. Donc hop, et on retourne tout le long de ce mur-là. Et on rejoint ici. Parfait, voilà. C'est nickel, c'est ce qu'il nous fallait. Maintenant, on va faire comment? Tac, jusqu'à ici, on va dire. Il y a 17 blocs de haut, si je me trompe pas. Attendez, on va faire même moins haut. On va faire quoi que. Ici, 17, 17, 17 aussi. Et après, on arrête l'intérieur, ok. Donc on va augmenter sur 17, je vais juste recompter à vive voix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, parfait. On est sûr de nous et on peut y aller. Donc vous prenez la stone et là on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 17 blocs de haut, parfait. Et là, on va faire tout le tour, sauf, écoutez-moi bien, sauf où c'est qu'il y a les portes. Donc vous, bien entendu, vous avez tous les piliers à faire, hein, bien entendu, à part pour les chanceux qui ont World Edit. Mais attention, ne mettez pas 17 blocs du côté des portes, ça serait du temps de perdu. Bon, rien d'affolant, mais du temps de perdu. Donc on va augmenter tout ça sur 17 blocs et on se retrouve juste après. Donc voilà, on a terminé notre petite construction sur 17 blocs de haut. Maintenant, nous allons prendre les chiseled, comment ça s'appelle ? Chiseled stone brick. Donc vous allez prendre ces stones là et on va tout simplement repasser une couche au-dessus, donc de la 17e couche. Donc en tant que 18e couche, nous repassons ce bloc là pour créer une cassure, une délimitation.
qui va lier les piliers par le côté. Regardez, je me comprends. Voilà. Et là, on voit que ça lie les deux piliers. Vous voyez, c'est là où les deux piliers vont donc se rejoindre. Et au-dessus, après, ça va être après. Je voudrais juste regarder un truc. Après, c'est presque là. Ok, d'accord. J'ai compris comment c'était fait. On va pouvoir avancer. Donc, bien entendu, la dernière sculpture, là, on va le faire à la fin. Ça a l'air d'être un petit peu galère en plus, ce truc-là. Bon, après, on fera un petit peu au hasard. Et puis, on essaiera que ça ressemble le plus possible à la réalité, hein, puisque je crois que c'est un chevalier ou un truc à la con comme ça. Enfin, bref. Donc, maintenant qu'on a terminé ceci, je sais pas si on peut poser les blocs là directement, ou alors, est-ce qu'on fait l'intérieur là ? Moi, je vous propose de faire l'intérieur. C'est un petit peu plus sympa. Mais... Du coup, on s'était arrêté où à l'intérieur? Donc, hop. C'est bien ce qui me semble. On s'était arrêté ici. Donc, au deuxième escalier, retourné ici. Donc après, ce qu'il nous fait, qu'il nous reste combien de blocs à poser? Il nous faudrait la petite hache magique. Tac, parfait. Donc là, il nous reste ici à ici. Il y a 10 blocs. Donc on va faire les 10 blocs. Donc pareil, on va faire un petit time-lapse. Les 10 blocs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Voilà nos 10 blocs. Il faut les compléter. Et puis on se retrouve juste après. Donc maintenant que vous avez terminé de faire ces 10 blocs de haut, nous allons prendre un bloc de repère qui est ici vers la porte et nous allons faire vite fait les détails. Donc là, vous allez tout casser comme ceci, là. Ensuite, on va déjà poser comment ça s'appelle déjà celui-là ? De la stone brick, voilà. Donc vous la posez. Excusez-moi, le micro est un petit peu loin. Donc là, hop, nous allons passer à 2 et là, 1, 2, troisième bloc, parfait. Voilà, donc vous faites ça comme ça. Et nous allons faire à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Et au-dessus, on va refaire ce petit trait comme ceci. Voilà. Sauf qu'on pose ici. Voilà, nickel. On remplit. Parfait. Maintenant, on va prendre les fourneaux. Bah attendez, on va juste faire les trous pour les fourneaux. Donc vous les faites ici et ici. Les trous pour les fourneaux. Voilà à quoi ça doit ressembler. Ensuite, on va prendre celle-ci, la craquette stone brick. Et puis on va faire des rangées comme ça. Tac. Parfait. Et 1, 2 en dessous. Tac, ici. Parfait. Faites ça un petit peu symétrique par rapport au milieu de cette forme, hein, vous le voyez. Tac, vous voyez que c'est tout à fait symétrique. Et puis on a terminé. Voilà. Donc on va poser les fours par l'intérieur tout le temps. Toujours. Pourquoi il veut pas me laisser passer là? C'est une blague. Voilà. Donc hop. On pose nos petits fours à l'envers, histoire de les voir de devant depuis l'intérieur de la tour. Hop, et de l'extérieur, ça fait un beau petit truc. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres détails auxquels nous n'avons pas parlé? Concernant l'intérieur, oui, il y a encore des petits détails à régler. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va casser ici, tac, nickel. On prend des escaliers de stone stone brick, hop, on les pose comme ceci. Ensuite on va casser là, on va tout casser même, tac,
faire. Sauf que on va reboucher. Donc on rebouche ici par contre. Tac. Et ici. Juste en attendant de voir où nous en sommes. Tac. Je rebranche juste mon ordi. Voilà. Alors. J'en étais où? Ici. Donc là, on aura besoin de nos petits. Voilà, nickel. De nos demi-dalles. Donc, vous voyez là, on va commencer à un bloc, à une demi-dalle ici. Et une demi-dalle au-dessus. Donc là, on s'en fout. Tac. Là, parfait, parfait. Et puis. Par contre, là, il y a. Ah mince, je me suis trompé. J'ai été trop loin en fait. J'ai été trop loin. Là, tac, on remet un bloc ici. Donc ça servait juste à rien ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais c'est pas grave, c'est une petite erreur. Voilà, tout est réparé. Donc on recommence, on pose une stone ici, une stone ici. Pareil ici. Ensuite, il y aura des fours. Donc là, on va mettre les escaliers à l'envers ici. Voilà. Donc j'avais fait ça à peu près comme ça. Et après, comme je vous disais, tac, mince, voilà, ici au milieu, voilà, voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, on va poser, tac, ici, 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 hop, ici, ici, ici. Ça, c'est nickel. Et puis, on finit par les fours à l'envers, comme ceci et comme cela. Très très bien. Là on est vraiment pas mal concernant l'avancée de ce projet. Donc on va juste aller voir un petit coup de l'autre côté comment c'est. Bah, pourquoi les fours? J'ai l'impression qu'ils éclairent tout le temps ces fours. Bah non, pourtant. Ouais, là j'ai l'impression qu'ils éclairent. Donc voilà ce qu'il fallait faire. Hein, donc c'est assez sympa là. Et après. Donc il y a des escaliers retournés comme ceci qui va d'un côté à un autre. Bah ça on peut le faire rapidement au pire. Au moins ça sera fait. Donc il commence. Ah bah ça j'ai pas regardé. C'est qui commençait. Il commence juste un bloc au-dessus de ce qu'on a fait. Ok, après il y a des demi-dalles. Ouais c'est bizarre. Il y a des demi-dalles reposées par-dessus. Donc, on a dit que ça commençait un bloc au-dessus de ce qu'on a fait. Alors, il faut remettre une couche. Tac. Hop. À peu près comme ça. Et là, on va poser des escaliers. Tac. Mince. Tac. Mince. Tac. Voilà. Donc là, vous allez poser les escaliers tout à l'envers. Et après, on va refaire une couche de demi-dalles. De stone, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Hop. Et voilà. Qui est parfait. Et après, on repose. Hop. Comme ceci. Sur ce qu'on vient de poser. De la stone. Hop. Des demi-dalles de stone, bien entendu. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, après, à vous d'avoir vos 4 piliers pareils. Bien entendu. Là, on en est pas mal du tout. Là, on est vraiment bien même. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête ici. Je sais pas à combien de temps de vidéo nous sommes, à 28 minutes. Et puis de reprendre pour le troisième épisode un petit peu plus tard dans la semaine. J'espère le faire cette semaine, oui. Et puis après, on enchaînera assez rapidement. On a bientôt fini tous les piliers, hein, bien entendu. Parce qu'une fois qu'on en a fini, on a fini tous. En tout cas, de notre côté. Puisque les piliers se construisent tous de même manière, à vous de vous arranger au moment de la construction de vos piliers, de le faire par rapport à ce que au côté que vous faites. Voilà, vous voyez que c'est assez simple là. Une fois qu'on aura fini ces piliers, ça ira très très vite. Voilà, il y aura ça qui va être chiant quoi. Donc c'est surtout les détails quoi après. Mais une fois qu'on a fini ceci, c'est tout bénef pour nous et pour vous.
Et puis on aura quasiment fini cette petite construction. Voilà. Donc en attendant, j'espère que cela vous plaît toujours autant. Ça commence à être une très belle structure, honnêtement. Je suis très pressé de vous la montrer quand elle sera finie. Je suis très pressé de l'avoir finie. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que je vous réexplique en commentaire. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un de vous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. C'était Kérose. Ciao!